Mora, et est-ce que tu es capable de dire public là combien de films ont sorti déjà? Ok. Brièvement, nous, premier film, c'est Au cœur du danger, qui est sorti en 98. Public, il passe au DVD, malheureusement. Nous avons un deal avec une compagnie Miami et une compagnie du feu prendre dans le local. Nous avons perdu Master. Mais il y a plein de monde qui a vu le film ça. Et je crois que mon bon acteur dans le film ça, qui a vu ce matin, c'est Osnel Coutin. Et je crois que j'ai rencontré monsieur dans la rue, monsieur était content. Et je crois que monsieur lui-même, il aime tout, salue le tout. Et qui sont bons amis. Je salue tout fanatiquement, le capitaine de là qui était toujours supporté nous et qui toujours continue à supporter nous. Après, Au cœur du danger, nous faisons le choix de ma vie. Et le choix de ma vie, c'est d'un pile monde. Et ouais, ça, depuis qu'on a fait choix, depuis qu'on a choisi, eh bien, mon cher, film ça, c'est d'un pile. Et pourquoi elle continue ou style qu'à garder parce que la pédo. Après, le choix de ma vie, c'est une question de profond regret. Bon, je dis comme ça que si il y a 100 000 personnes ici, il faut au moins et 80 000 personnes qui gagnent profond. Donc, ça fait plaisir parce que ce film, moi, écrit, ce n'est pas moi qui arrive. Je n'ai jamais écrit sur ça qui arrive. Moi, écrit sur ça, me file, ça m'oué qui a passé. Je suis témoin, ça m'oué dans la li pense. Ça pa vle di tankou comme réalisateur m va regarder ça crivé moun pour m'écrire pas comme ça. M dis que doit arrêter comme son bagage passé dans tête moi mais c'est écrit de façon pour aider frère ma sœur mieux pour capable des fois gagner plus ouais ça me dou là ou comprendre moi pour réfléchir avant que yo pose une série bonne action. Que ce soit pour le mari, ou bien pour faire business, ou bien encore tout, si vous voulez l'école, ou pas l'école, est-ce qu'on pense que ça va arriver? Logado est Donia à parler belle français, Logado est Jonas à parler, à exprimer, à faire ça. Laisse ça faire pareil parce que vous êtes à l'école, vous êtes en baban. Donc c'est tout le bagage qui motive, même les moitiés de monde, pas qu'à respecter les parents. Yo. Les moins jeunes, les messieurs, pas qu'à fidèle à les ménages, les moins mesdames, tout pas qu'à fidèle. Ou même tout bagage, ça, des fois, on monte meilleur. Après, pour faux regret, c'était un choc terrible. Après choc terrible, nous vîmes tomber qu'on y a le prix à payer, qui a passé samedi dans MGC. Et c'est ça, MGC ouais. Sandy Ground. M connaît comme ça déjà. Bon, moi, est-ce qu'on est capable de parler, les amis auditeurs? Et depuis quelle heure, par exemple, vous commencez à faire film, parce que nous connaissons que vous sortez plusieurs films déjà. Est-ce que à quel âge, est-ce qu'on est à l'école pour apprendre ça, etc. Parlez un petit peu auditeur de ça. Mon cher, je suis capable de dire, avant, j'étais dans le cinéma, j'étais dans le théâtre de 88. Ça m'était très jeune, même de jeune, non. J'étais quand je venais dans l'église. Et en sortant de là, après, à partir de les années 93, moins réalisé que j'ai aptitude pour le cinéma. Mon cher, moins écrit parce que j'ai écrit des pièces de théâtre. Et j'ai des actions que j'ai réalisées sur pièces de théâtre. Ça permet que le public là, ouais, t'es dit, mon cher Moura, je passe au café film. Moi, j'ai dit, pourquoi? Eh bien, j'ai joué dans le premier film qui était Affaire interne. Affaire interne, c'est malheureusement pas de connu, un grand succès, parce qu'à cette époque, le cinéma, pas de gens qui sont là. Longtemps, bah, moi, dans les années 92, 93, l'homme a le cinéma, on dit l'on film haïtien. Il dit, film haïtien, eh bien, kounya là, ça fait plaisir. Nous, on dit comme ça que, il y a des années, c'est cinéma haïtien, qui a été le Capitole, qui a été le Imperial. Donc, ça fait nous contents. Et je crois que. Je pense que ça t'est venu fait que m'aller m'étudier passer l'Institut français moi prendre des cours par correspondance après ça dans un séminaire à Paris dans un séminaire à Montréal et puis kounya là moi gain 3 disons 4 ans depuis m'a vivre aux États-Unis et moi crois que moi gain 2 ans dans collège côté vraiment m'a étudier cinéma parce qu'on pas jamais fini apprendre et mettre que cinéma c'est toute vie. C'est pour un bagage que m'a fait. C'est vrai que qu'on lui rapporte comme mais c'est pour un bagage moins fait vraiment comme ça parce que c'est tout moi-même. Je me pas devant caméra ou bien derrière caméra, moi j'ai ça bam en pile problème parce que me senti que forme produit, forme aider ouais ça me dit la monio, l'organe d'un film mora, ou a réfléchi, ou a amusé, ou a pris et me crois qu'on a tiré en pile leçon. Je crois que Jean-Jean a une question pour le poser, Jean-Jean. Oui, vous parlez un peu de vous-même, hein, de évolution juste un peu, mais dans la biographie que nous lisons, hein,
li mentionné que tu travailles en quelque sorte ensemble avec Daniel Marcelin. Donc qui ça Daniel Marcelin représenté pour vous et en quelque sorte est-ce que monsieur c'est un mentor spécial que le vous? OK. Mon cher, ça que fait me pas mentionner toi ben pas de trop long et me pensais que ça qui vient faire moi comme ça c'est parce que m'étais vraiment bon en base dans théâtre et les m'a de théâtre c'est pas théâtre n'a garde kounya à côté m'a pas un problème à ça yo même penser que li important pour que comme si m'aide nous pas arrêter papa Pierre te quitter pour n'a continuer encore dès qu'on fait théâtre m'est capable de un petit genre classique m'était qu'on mix li tout donc penser que Daniel Marcelin c'est un monde qui était un très bon mime. C'était qu'on mimait en pile. C'était fort dans ça. Et moi-même, j'ai aimé regarder ça. Et là, j'ai regardé Daniel qui a mimé, il y a un monde qui a avancé. Qui grimace ça, monsieur, a fait là, etc. Mais fort qu'on ça l'a fait. Ah non, c'est donc, le spécialiste du. Ouais, c'est ça. Ouais, du maïs. Donc, moi, je pensais que monsieur était qu'on fait des cours. Il y a un club qui était pour la vie mime. Qui était qu'on bail des. Ouais, Sam Doula. Qui était qu'on fait des séminaires. Moi t'ai connal là-dedans. Moi me capable de côté ouais pour moi arriver là le fan pilou. Depuis m'a joué dans l'église, m'a joué dans l'école et fait tout ça de des monde comme Daniel Marcelin qui était ba nous formation. Grand pilote encore mais nous plus parler sur ça. Et me crois que jusqu'à présent jodi a et forme de tout ça son fierté pour moi tout parce que m'étais passé un an m'a travaillé, m'étais travaillé dans pour on compagnie que les FTC. Et FTC c'est For the Children Incorporation. Qui aux États-Unis, c'est Timon Yogin, son after school program, c'est un honneur pour moi et m'a travaillé avec toutes sortes de petits haïtiens comme bien avec quelques images tout m'a connait peut-être si m'étais cap baio pour regarder pour comme si mettre du ça ti spanish, ti américain etc. toute la journée. Donc nous t'ai fait ça avec succès. Et après ça tout, m'a capable de nous participer dans plusieurs autres projets américains pas seulement haïtien. Et je crois que jusqu'à présent, tout n'a pas continué. Parce que moi-même, je ne voulais pas rester comme si pour m'a faire film, pour me je voulais pour moi grandir. Je voulais pour faire film, même si c'est film, même si c'est en anglais. Mais attention, haïtien fier parce que après, c'est moi qui a fait. Et gagner le tout, m'a parlé créole là-dedans. Et je crois que c'est ça que nous allons faire. Quand on ne peut pas connaître, quelle que soit la langue que nous avons parlé. Parce que Wyclef, il veut chanter en anglais. Mais cependant, son fierté pour nous, pour son haïtien. Donc, c'est le travail ça que m'a fait aux États-Unis, apprendre. Et puis, encore, par exemple, nous avons Louise Somoun, qui était son haïtien nié, mais c'est plus un bagage américain. Moi-même, c'est mon ça m'a cherché. Rallonger le talent. Hollywood, quand je dis à me fier pour m'a regarder, me prendre Louise, c'est moi qui montre au parler créole. Et c'est haïtien, oui. Grand pile haïtien qui a fait gros film que n'a regardé. Donc, je crois que moi-même, je révolutionné ça. Et je crois que tu as un choc terrible. Une petite dame qui joue rôle madame, un choc terrible là. Sans mon cap, je joue un gros film américain. Et forme de ça, tout mon business, tout m'a tout top, m'a foncé, petit bagaille, petit chiche. Nous cherchons comme, nous mettons comme dehors pour nous prendre monde. Haïtien qui a évolué à Hollywood et américain, tout, parce que nous avons une madame Tarabexo, Tiffany Richardson qui joue dans Choc Terrible. Donc c'est mission ça. C'est chercher haïtien qui cap fait bonheur Hollywood, c'est faire jouer dans film haïtien et puis prendre l'autre monde tout. Donc c'est en gros ouais ça me donne la travail ça que Mora fait aux États-Unis et m'a continué travail là tout parce que Ronald Lebo et Clender Entertainment, yo gen un film qui relé 7e ciel et me crois que casting nan a fait dimanche. M'a pla et faut me dire nous ça. Nous mettons pas être sourire mais moi Louise a dit ça tout min business moi que Saint Martin pral gen chance pour yo première fois communauté haïtienne dans font film et si me la donne me veut que film ça arrive loin la passer Canada la passer tout côté because Dieu merci nous gain connexion avec public là donc Saint Martin campé des Ronald campé des Clin d'œil campé des Donia pour yo capable réussir.